Oula, oula, oula. Il y a un buzz là, non? C'est quoi, c'est le début? C'est. Le bruit du monde. Le bruit du monde. Le temps est compté. Les paroles sont dites. La tour Eiffel a disparu à l'horizon. Vous savez que c'est le jardin qu'on appelle le jardin de la parole libre. Eh bien, mesdames et messieurs, je dois vous le dire. J'en suis désolé. J'en suis triste. Et néanmoins, je dois dissoudre cette assemblée. On dit qu'il y a un temps pour la parole et un autre pour l'action. Le temps de la méditation s'est écoulé. Prenez vos jambes à votre cou et bougez. Il est temps d'agir. Elle s'appelle Atalante, notre héroïne, la femme forte, déterminée, dressée par une ours. Elle est capable de courir plus vite que tout animal, que tout être humain. Et lorsqu'enfin elle rentre chez elle, chez son père, elle défie tous les hommes, tous les héros grecs. Pour les Grecs, pour les philosophes grecs, le principe qui fondait la notion d'information était très clair et d'ailleurs lui a donné son nom. C'est la notion de forme. Nous avons un autre concept d'information, c'est l'émergence de l'information à partir du bruit. L'information émerge de façon vitale ou mortelle. Mmh.